Oui, allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, je suis à la maison. Ok. Ouais. Yo, c'est bon? Ouais, ça va. Prends place. Mais Joe, on peut se voir juste 2 minutes là. Ok. Bon, je reviens. Donc voilà, en fait, tu vois la fille qui est dedans. Elle s'appelle Cynthia. Elle, c'est ma petite amie. Bon, j'avais envie de passer du temps avec elle, mais comme tu connais, les parents sont à la maison, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Voilà pourquoi je suis venu ici. Je ne sais pas si tu peux me permettre de passer avec elle. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as besoin de combien de temps? C'est mon pire. D'accord, donc je vais vous laisser une heure. Ça te va? Merci. Ça va que faire aussi. Ah, t'inquiète. Bon, laisse-moi le temps de prendre une chaise, venir m'asseoir. D'accord, d'accord. Okay, merci bro pour le service. C'est un de mes frères, hein. Il s'appelle Jimmy. Ah d'accord. Enchanté, moi c'est Cynthia. Enchanté. Il est mignon ton ami là. Il me plaît bien. Ok, on s'appelle. Ok, on s'appelle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Toi-même, tu sais très bien que je peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Tu sais très bien que c'est mon meilleur ami. Tu as peur de ton ami? Non, c'est pas ça. J'ai pas peur de lui. Mais c'est quoi? Je ne te plais pas. Toi-même, tu sais très bien que c'est mon meilleur ami. Je ne peux pas lui faire ça. Tu te moques de moi. Je ne suis pas ton genre. Ce n'est pas ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de t'amuser avec ses sentiments. Tu sais très bien qu'il t'aime. Et moi, je suis son meilleur ami, quand même. Écoute-moi, si tu ne veux pas coucher avec moi, je vais crier tellement fort que les gens vont venir. Et si ton ami vient, je vais lui dire que tu as essayé de me violer. Non, c'est ta parole ça. Contre la mienne. À ton avis, qui va croire? Tu feras pas ça. C'est très mal me connu. Oh, que si je vais le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ta parole contre la mienne. Ne me provoque pas. Mais c'est quoi ton problème? Je ne veux pas de relation avec toi. Je veux juste coucher avec toi. Qu'est-ce que t'en penses?
Et si vous étiez à ma place, que feriez-vous ?